I have the great pleasure to announce Joscha, who will give us a great talk with the title The Ghost in the Machine. And he will talk about consciousness of our mind and of computers, and somehow also tell us how we can learn from AI systems about our own brains. And I think this is a very curious question. So please give it up for Joscha. Good evening. Bonsoir. This is the fifth of a talk. Ceci est le cinquième talk. Pour comment est-ce qu'on passe du calcul à la conscience. C'est des concepts que j'ai principalement appris en regardant, en observant l'intelligence artificielle et les développements dans ce domaine-là. Donc il s'agit d'épistémologie, de philosophie, comment l'esprit fonctionne. Qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que soi-même, qu'est-ce que la conscience? L'intelligence, je pense que c'est l'habilité de faire des modèles. L'esprit, c'est de pouvoir observer l'univers. Soi-même, c'est pouvoir s'identifier avec des propriétés et des choses à faire. Identification. With properties and purposes. That's what a thing thinks it is. And then you have consciousness. Ensuite, vous avez la conscience. Qu'est-ce que c'est d'être vivant? Et ensuite, bien sûr, on a un problème qui est connu qui s'appelle le mind-body problem, la relation entre le corps et l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est possible que je peux me trouver dans l'univers et pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'existe? Donc, la réponse traditionnelle à ça, c'est ce qu'on appelle le dualisme. Où il y a deux mondes. Où il y a un monde physique qui, d'une manière ou d'une autre, coexiste avec ce qu'il y a dans mon esprit, le monde mental. Et comment ces deux plans, comment ces deux concepts. Tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est régi par la physique, tandis que par des rêves mentales. Pourquoi est-ce que dans la théorie dominante, c'est qu'il y a uniquement le monde physique et rien d'autre. Et la réponse que je souhaite proposer, c'est le fonctionnalisme. En effet, on existe dans un espèce de rêve et que ces idées de matérialisme et d'idéalisme ne sont pas opposées. Existence is the physical world. So we are being dreamt in the neocortex of a private. Et donc, ce que nous ressentons, c'est juste un rêve qui se réalise dans notre cerveau. Dans le néocortex précisément. Et en effet, il y a des parallèles à faire entre les rêves qu'on fait lorsqu'on dort et ce qu'on vit la journée en termes de comment ça se passe dans le cerveau, ce qu'on peut observer aujourd'hui. Not break the bank somehow, and even though the theory explains this, shouldn't I be more agnostic? Are there not alternatives that I should be considering? Maybe the narratives, our big religions, and so on. Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives qu'on doit considérer, comme la religion, par exemple? Donc, en épistémologie, il y a quelqu'un qui dit que la confiance dans quelque chose qu'on croit doit être égale au poids des preuves qui prouvent cette croyance, qui prouvent que cette croyance est vraie. So for instance, it is entirely possible that this universe was. Par exemple, il est entièrement possible que cet univers dans lequel nous sommes a été complètement créé par une entité supérieure à nous.
Mais aucune expérimentation ne peut prouver cela. On a mountaintop, that's not a kind of experiment that gives you valid evidence, right? So intelligence is the ability to make models. Et donc l'intelligence c'est la possibilité de pouvoir faire, de pouvoir créer des modèles. It's not that smart. We can. Et donc un seul individu n'est pas si intelligent que ça. Lasts a few hundred years at least. So civilizations have more intelligence than. Et donc on constate que les civilisations dépassent l'individu et permettent de dépasser l'intelligence d'un seul individu unique. Et que ces civilisations se perpétuent sur plusieurs générations. You know how hard it is to understand which programming language is the best one for which purpose. There's no proper consensus, and that's a relatively easy problem. So when there's a complex topics and all the experts agree, there are forces at work that are different than the forces that make them choose. These consensus forces, they're very suspicious to me. And if you want to understand what's true, you have to look for Meaton's motive, and you have to be autonomous in doing this. So individuals typically have better ideas than generations or groups. Mais à quoi ressemblerait l'intelligence d'une civilisation? L'intelligence d'une civilisation, ça pourrait être quelque chose qui se serait construit sur une tradition intellectuelle sur plusieurs millénaires. En fait, ça n'existait pas vraiment ça. Parce que, environ toutes les centaines d'années, toutes les 200 ans, il y a une révolution intellectuelle qui fait qu'on considère moins ce qui s'est fait avant pour construire une nouvelle base. Donc on construit certaines constructions intellectuelles basées sur certaines propriétés. Et finalement, on va construire, puis détruire, et finalement la civilisation est construite avec des cicatrices, si vous voulez. La mémoire, c'est ce qui nous permet de tenir ensemble l'esprit et l'identité. Et la conscience, c'est ce qui est couramment à notre attention. L'intérêt de la civilisation, c'est un petit peu pareil. Où la société, c'est l'univers observé, les gens sont le substrat, et la culture, c'est l'identification avec ce qu'on pense que l'on est et ce qu'on veut qu'il arrive. Et le média, là, cette fois, représente le contenu de notre attention. Donc la culture, c'est l'identité d'une civilisation. À partir de là, est-ce qu'on peut essayer de construire un modèle d'un univers? Si on prend un exemple assez simple, par exemple la fractale de Mandelbrot, c'est assez simple, vous prenez une paire de nombres, vous les mettez au carré, et vous faites ça un nombre répété de fois, et typiquement vous allez très vite arriver à l'infini. Si on prend par exemple moins 1 et plus 1, ça ne va pas forcément converger ensemble vers l'infini. Si vous représentez ça sous forme graphique, on peut arriver à des choses comme ce qui est représenté sur l'écran, avec des formes de plus en plus compliquées selon les duos qu'on prend. Et un nombre infini de structures que l'on peut imaginer avec ce modèle. Imaginez que vous êtes dans cette structure et vous n'êtes pas exactement à quel endroit vous y êtes. Mais vous pouvez prévoir ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez observer ce qu'il y a autour de vous. Autour de moi, par exemple, il y a une spirale qui tourne d'une certaine manière et à un certain moment, il est fini. Pourquoi c'est fini? À cause d'une singularité. Et si on le regarde de plus près, on voit que ça se répète. On voit des spirales qui s'enchaînent les unes après les autres. Si vous voyez, par exemple, 15 niveaux de spirales qui s'enchaînent, vous allez pouvoir modéliser votre voisinage. Mais la question c'est, est-ce qu'on pourrait modeler la fonction qui gouverne les différents voisinages de notre univers? On ne sait pas vraiment en fait où on est dans ce modèle. Par conséquent, il est difficile de faire un modèle local. D'où l'idée de séparer l'univers en différentes choses. L'espace, par exemple, est une fonction de transition. Une fonction déterministe,
si sa fonction transitive est indépendante du temps et indéterministe si elle l'est. Si elle ne l'est pas, si elle est différente selon le temps. La causalité, c'est quand les choses changent par interface avec d'autres choses avec lesquelles elles interagissent. So what's true? There seems to be a particular way. Ok, qu'est-ce qui est vrai? It's inaccessible to us. And what's accessible to us is our. Ce qui est accessible à nous, c'est notre propre modélisation de l'univers qu'on peut vivre au jour le jour. The sense is a property of language. Et la vérité, dans un sens, c'est une propriété du langage. Si vous pouvez dire la géométrie. On remarque que certains domaines ont développé leur propre langage, par exemple les mathématiques, la physique. Et par exemple, la tour de Babel, c'était un essai de, pour faire cohabiter ces langages et les faire coopérer. Et dans un sens, c'est un peu l'origine de la civilisation dans laquelle on est. Par exemple, on peut s'adresser aux mathématiciens. Les mathématiques, c'est complètement agnostique de la langue. Ça concerne tout le monde, que ce soit de langue. Il n'y a même pas de, y a pas différentes versions des mathématiques, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas de point de centralisation pour les mathématiques pour définir comment on les parle. See, can you infer this is good conduct? Georg Cantor. Okay. Power to you. Il y a des échanges avec la salle. Donc en 1874. Donc, si on regarde la cardinalité de la set, donc le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Okay, on constate que la cardinalité d'un set va plus lentement que la cardinalité des sous-sets dans un set. Okay, that's fine. Now we have the cardinality of the set of all sets, right? We make the total set. Cardinalité de set de tous les sets. That has infinitely many members, and it has more than the cardinality of the set of the subsets of the infinite set. That's fine. But now you look at the cardinality of the set of all the subsets of the total sets. Et donc maintenant, si on regarde à la cardinalité des sets de tous les subsets de tous les sets. It contains all the sets. Now you have a contradiction because. Et donc on arrive à une contradiction au final. Supposed to be larger, and yet it seems to be. Ou en fait deux valeurs qui sont censées être plus grandes l'une que l'autre. Il y a une contradiction. Those sets that don't contain themselves, right? We only look at the set of sets that don't contain themselves. Isn't that a solution? Now the problem. Et donc pour régler cette contradiction, on pourrait en fait éliminer un type de set. Mais du coup, ça pose d'autres problèmes. Donc des gens ont essayé de régler ce problème-là, en particulier David Hilbert. Donc les gens ont essayé. Donc Kurt Gödel a essayé ça, oui, effectivement, il y a un problème. Et on ne peut pas exclure ces boucles, en fait, des sets qui, par exemple, se contiennent eux-mêmes. Alan Turing came along a couple years later, and he. Et Alan Turing. If you build a machine that does these mathematics, and the machine takes infinitely. Alan Turing a construit donc des machines qui représentent ces mathématiques. That this proof terminates, so it's a similar issue for the unentscheidbarkeit. That's a big issue, right? So we cannot basically build a machine in mathematics that runs mathematics without crashing. Okay, donc on n'est pas capable de construire une machine capable d'interpréter les mathématiques sans crasher. At the same time, that we can build a computational machine that runs. Mais on peut construire une machine qui calcule. And ce calcul, c'est universel. The tiny neglect. Mais le calcul, c'est des mathématiques constructives. To find that object that is true, you have to actually construct it.
So there are no infinities because you cannot construct an infinity. Donc il n'y a pas d'infinité parce que vous ne pouvez pas construire une infinité. Part of computation is the one that can be of mathematics that can be implemented. It's constructive mathematics. It's the good part. And using universal computer is very easy to make, and okay. All universal computers have the same power. That's called the Church-Turing thesis. Et donc tous les ordinateurs ont correspondent à cette thèse de Church et Turing. Machines that even God doesn't know how to build if it has been done in any language, but it's a computational machine. And this also means that all machines that human minds ever encounter, all mathematics that human minds encounter, will be computational mathematics. Et donc on pense que l'esprit humain est équivalent à ces machines de calcul. Comment faire le lien alors entre mathématiques et philosophie? La mathématique est un langage très précis où chaque symbole a un sens. Mais si on regarde le vrai monde, on n'est pas sûr du sens des choses que l'on voit ou que l'on expérimente. Des fois, on peut avoir une approximation de vérité seulement. Comment créer une continuité entre ces deux choses avec le langage, par exemple? C'était le projet de Louis Wittgenstein. Il en a fait un livre en 1918 qu'on appelle le Tractatus Logico-Philosophicus. C'est un des plus beaux livres de philosophie du XXe siècle. Alles, was der Fall ist. Die Welt ist die Gesamtheit der Fakten. Vous dites que le monde ist bestimmt bei den Fakten und dadurch, dass diese all die Fakten sind und so weiter. This book is about 75 pages long and it's a single thought. It's not meant to be an argument to convince a philosopher. It's an attempt by a guy who's basically a coder, an AI scientist, to reverse engineer the language of. Ce qu'il a fait, c'est essayer de faire du reverse engineering sur le langage et pour arriver à un espèce de langage formel qui aurait toujours un sens précis. Il y a eu un impact important sur la philosophie, mais un impact plutôt dévastateur, hein, parce qu'au début, on ne savait pas vraiment où il voulait en venir. Il a écrit ça en 1918, donc avant Turing et son travail sur les ordinateurs, mais il sentait déjà ce que serait qu'un ordinateur. Et il avait senti le lien avec l'algèbre et les autres choses. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a anticipé des programmes d'intelligence artificielle qui viendront bien plus tard, dans les années 1950, par exemple. That his project basically failed. And that there is... Mais son projet, son langage, en dernière analyse, il a failli. Pourquoi? Parce que le monde est trop complexe. So classical AI is symbolic. Donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle classique est surtout symbolique. Mais notre courante intelligence artificielle, elle est surtout sous-symbolique. C'est-à-dire qu'elle apprend des solutions à des problèmes. Et la prochaine étape, ce sera du meta-learning, c'est-à-dire de comment apprendre à résoudre des problèmes par soi-même pour les machines. Bon, si on veut parler du monde maintenant, on va appeler information une différence d'état entre deux choses. Le sens de cette information, c'est le lien entre ce changement et d'autres informations. Si vous voyez un blip sur votre rétine, il faut associer ça à d'autres informations qui parlent à votre rétine pour lui donner un sens. Ça s'appelle le modèle de premier ordre. Si vous voyez par exemple un point qui bouge sur votre rétine. À partir de là, il va falloir comprendre, oh, c'est parti de quelque chose de plus large, par exemple des gens qui bougent dans une pièce. C'est la compression locale qu'on fait de l'univers à partir d'informations qu'on obtient de notre rétine. Et si on ne trouve pas de relation entre les choses, alors on considère ça comme un bruit. Et il y en a beaucoup dans l'environnement qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? C'est quelque chose, c'est comme une boîte qui a plusieurs leviers d'entrée et un levier de sortie. Vous bougez le levier d'entrée et vous voulez voir quelle sera la sortie. Mais ce qui peut vous intéresser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe dans la boîte? Est-ce que c'est un système de poulies? Est-ce que c'est un système de roues? Vous ne savez pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous pouvez l'exprimer par qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après. Si vous arrivez à ne bouger qu'une seule valeur d'entrée, vous pouvez voir qu'est-ce qui bouge aux valeurs de sortie. Et c'est ce qu'on appelle faire une différence partielle.
c'est assez simple à faire dans une fonction qui serait que par exemple multipliée par 2. Dans les cas les pires, vous pouvez avoir 1600 bits d'information d'entrée. Et pour chaque levier, vous pourriez avoir, pour chaque changement de la valeur d'entrée, vous pourriez avoir un changement de la valeur de sortie. Et les fonctions qu'on peut modéliser ressemblent à peu près à ça. Par exemple, on a une image sur 14 millions et on peut voir si c'est reconnaître si c'est un chien, un chat, quelque chose d'autre. Donc il faut prendre cette fonction qu'on pourrait appeler classification d'image et qui nous permet de savoir comment nous comporter quand on voit quelque chose. On peut la modéliser comme ça. Avec un système de poulies. Avec un cliquet qui limite le mouvement du levier de sortie. Et ça vous décide à quel point le changement de la valeur d'entrée peut changer le résultat de sortie. Beyond this connection point of the pulley, and you can also have multiple input values. Vous pouvez aussi avoir la même sortie, le même résultat en tirant différents leviers. Bon, ça c'est une assez bonne approximation de fonction, de la manière dont ça fonctionne, tout en étant relativement compréhensible. Maintenant, on peut voir qu'on peut modifier ces leviers pour faire en sorte que le résultat soit le point d'entrée de la prochaine fonction. Donc voilà, par exemple, quand on veut tester les fonctions de vision d'une intelligence artificielle, on lui donne une image avec, par exemple, dans ce cas-ci, 1,5 million de bits, et vous lui faites faire ces fonctions un nombre répété de fois, un nombre très important de fois, et les résultats, comme vous le voyez, vont aboutir à un résultat unique. Après, vous pouvez entraîner cet algorithme. Pour faire ça, vous pouvez changer légèrement le point de sortie, et à partir de là, vous allez pouvoir avoir dans quelle direction il faut bouger un petit peu les points d'entrée pour arriver à ce niveau. Et si jamais il y a une erreur, quel levier a contribué à cette erreur? Et vous pouvez remonter en arrière pour voir qu'est-ce qui a joué sur cette erreur. Si vous faites ça par exemple avec 10 000 exemples, c'est assez pour améliorer votre intelligence artificielle. Vous pouvez faire travailler votre IA sur des dizaines de millions d'images. Si ça ne marche pas au final, vous n'avez qu'à remonter les étapes au fur et à mesure. Ça crée des cycles d'apprentissage. Et c'est difficile d'établir cette dynamique, mais il y a quelques trucs pour faire que ça marche. Donc en fait, ce qu'on vient d'expliquer, c'est les réseaux de neurones et comment ça s'implémente. Ok, donc okay, le monde dans lequel on vit et tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit dans un film à l'écran explique cette partie de l'univers. Mais les choses que je vois dans le film sont pas réelles, elles arrivent juste dans le film. Et les degrés de liberté que notre modèle essaie d'avoir. Donc il y a plein d'astuces qu'on a utilisées pour améliorer les réseaux de neurones. Par exemple, l'une d'elles, c'est GAN, qui permet de combiner plusieurs réseaux de neurones. Ces deux réseaux de neurones sont entraînés et sont mis en compétition l'un contre l'autre. Par exemple, NVIDIA a fait une expérience qui s'appelle StyleGAN. En haut, on voit
des images. En fait, ils changent différentes caractéristiques sur ces images, le genre, l'âge, la taille des cheveux. Et ils arrivent à combiner deux images ensemble en faisant ça. Et c'est le réseau neuronal qui est capable de faire ça. Notre générateur, il pense. Il se représente notre image comme une collection de styles. Donc on a des styles un peu grossiers et on peut essayer de les combiner ensemble. Ensuite on a des styles un peu moins grossiers, on peut essayer de les combiner ensemble. Donc on voit que donc ces variables que changent, on les appelle les variables latentes. And it's tempting to think that this is quite similar to how our imagination works, right? Et on est tenté de penser que c'est un peu comment fonctionne notre esprit, notre imagination. Because otherwise they do not get fed and they die. Donc on peut imaginer les neurones comme des petits animaux qui sont récompensés pour s'activer au bon moment. Give them predictions of when they should fire. And they connect with each other to. Et donc ils apprennent en fait dans un environnement dans lequel en fait on est capable de dire, on est capable d'anticiper la récompense, on sait que la récompense doit être donnée. And yet they are able to learn very similar things, and it's because in some sense they are Turing complete, they are machines that are able to. Dans un sens, les neurones sont des machines de Turing, ils sont capables d'apprendre avec les statistiques. Ils sont capables d'encoder des motifs afin de prédire deux situations, des réalités alternatives et bien sûr donc des motifs futurs. Donc on a des motifs et on a des sets de valeurs possibles. On a quelles sont les valeurs qui sont compatibles avec les unes avec les autres. Donc ils sont également connectés à travers des probabilités. Est-ce que, à quel point est-il probable que le monde dans lequel on est dans cet état? Et donc ce qui donne du sens et des couleurs à ce que vous voyez, ce qui vous donne il explique les différentes propriétés des neurones. Coordinating social activity between people. So we have different model constraints. Que plusieurs modèles. Et on a des contraintes, des modèles de contraintes, et puis on a des fonctions de récompense. Then we have patterns in our emotional and motivation. Donc on a des motifs visuels, auditifs, tactiles, émotionnels. Donc on prend ces motifs. On les abstrait. Et donc, on les combine dans une simulation. Et on se rend compte que, en fait, soi-même, la conscience, c'est la combinaison de tout ça. And we have something like a mental stage in which you can do counterfactual things that are not physical, like when you think. Et donc, on peut également imaginer d'autres états, ce qu'il appelle le mental stage. The world state into global maps, because we're not always in the same place, but we recall what other places look like and what to expect. Donc, on construct the current world state, and we do this not only with these maps, but we do this with all kind of knowledge. Over the abstractions that we have in the direct perception. And then we have an attentional system. Et enfin, tout en haut, il y a le système d'attention, c'est celui qui va sélectionner parmi les choses celles à laquelle on accorde notre attention. Tout ça est contrôlé par le soi, l'identité. Et ça fonctionne également avec un protocole de mémoire pour se souvenir de ce qui a été fait
dans le passé. C'est ce qui nous permet d'avoir une mémoire biographique, de savoir ce qu'on a fait dans le passé. Our activities can be bound together in the self that remembers I was that, I did that, I was that. Et plusieurs de ces fonctions peuvent s'allier ensemble pour dire, par exemple, j'étais là, j'ai fait ça, ou. That's why it's so intricately related. C'est assez relié d'une façon assez intriquée, ce système, les objets les uns entre les autres. Mais la fonction principale de ce système, c'est l'apprentissage. Notre cerveau est quelque chose de très désorganisé, très chaotique. You make a particular commitment. Imagine you want to get better at playing tennis. Instead of retraining. Prenons un exemple. Vous voulez devenir meilleur au tennis. Ce qu'il va faire, c'est que vous allez prendre, pas vous améliorer d'un seul coup, mais vous allez dire, voilà, je vais travailler sur, par exemple, mon coup droit, travailler sur un seul mouvement. Quand je vois la balle arriver comme ça, il faut que je me comporte de cette manière. Et en fonction du résultat, vous allez apprendre ce geste ou le rejeter. C'est à ça que sert l'attention. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on introduit l'attente du temps et qu'il y a un délai entre votre action et votre et la réponse que le monde extérieur fait? C'est ce qu'on appelle le raisonnement. Le raisonnement, c'est aussi au centre de l'attention. Donc, la conscience, c'est la mémoire de ce qui était au centre de nos intentions. La conscience phénoménale, c'est la conscience de l'état où on était à un moment donné. Et la conscience réflexive, c'est la mémoire d'avoir utiliser son attention d'une certaine façon à un moment donné. Too takes too long, and the processing of different sensory modalities can take up to seconds, usually at least hundreds of milliseconds. So it doesn't happen in real time with the physical universe. It's only bound together in hindsight. Our conscious experience. En effet, les choses n'arrivent pas instantanément. Elles sont liées entre elles dans notre cerveau à une échelle qui est celle de la microseconde. C'est ce qui permet au cerveau de s'expliquer les interactions dans l'univers. Donc, pour résumer, il y a trois types de modèles du modèle. Le modèle primaire, celui sur la perception, qui est ainsi sur la cohérence. On pense que c'est le vrai monde, mais non, en fait, c'est un modèle que notre cerveau a construit. Ce que vous voyez, c'est un modèle à votre image. Le second modèle, c'est un modèle de connaissance. C'est un modèle fondé sur des perceptions rationnelles. Et s'il n'est pas forcément cohérent, il est optimisé pour la recherche de la vérité. Et le troisième modèle, c'est un modèle centré sur l'argent, sur l'agent. C'est un modèle d'autorégulation qui permet de corriger les deux premiers modèles. Donc on a ce monde mental que... Things it experiences, and things it has consciousness, and things it remembers, and so on. Des choses qui se souviennent. C'est ce soir, en quelque sorte. Chaque idée est quelque chose qui tourne dans votre esprit. Et certaines idées ne peuvent pas être contenues dans un bac à sable. Rewrite reality, and this means magic is going to happen. The belief in something that can rewrite reality is what we call a faith. La croyance qu'on ne peut pas changer la réalité, c'est ce qu'on appelle la foi. In their brain, there is a process that can rewrite reality because God. Et donc, avec la foi, en fait, c'est un mécanisme du cerveau qui vous permet de réécrire la réalité. Is not the physical world. The physical world is some weird quantum graph that you cannot possibly experience. What you experience is these models. So this non-user-facing process, which has donc tous ces processus que vous ne pouvez pas voir, qui ne sont pas visibles par l'utilisateur, and vous permettent de réécrire votre réalité. It knows all your thoughts and ideas. So having that thing, this exoself, running on your brain is a very powerful way to control your inner reality. And I find this scary,
but it's a personal preference because I don't have this writing on my brain, I think. So this idea that there is something... Croyance, moi je la trouve effrayante, mais c'est une croyance personnelle parce que moi je ne suis pas religieux. Pour moi c'est un petit peu curieux. Mais ça obéit, ça répond à certains buts. Des buts qui sont hors de notre organisme, par exemple des buts en rapport avec autrui, par exemple avec nos enfants. Si on ne réagissait qu'au plaisir et à la douleur, alors on ne ferait pas grand-chose. Il nous faut construire des modèles de nos besoins pour faire plus de choses. À partir de là, on construit une hiérarchie des choses selon les résultats qu'elles produisent pour nous. Et l'amour, à partir de là, c'est la découverte de buts partagés entre plusieurs individus. So you can have non-transactional relationships as long as your purposes are aligned. And the information of a God. Si les buts de deux individus sont alignés, alors ils peuvent avoir des interactions bénéfiques pour les deux. Et c'est ce à quoi peut servir, par exemple, une religion. Ça permet d'unifier les buts de plusieurs individus. C'est un moyen puissant de faire coopérer des individus. Mais ça va un peu contre le concept d'autodétermination et de libre arbitre. Puisque la religion ne donne pas aux gens un cadre pour lequel remettre en question le Dieu en lequel ils croient. La religion n'est pas la même chose que le déterminisme en ce sens-là. Parce que par exemple, on peut choisir de faire quelque chose même s'il y a quelque chose de mieux qu'on pourrait faire. Ça, c'est un petit peu le paradoxe du choix de faire le mal. Certes, vous avez plus de libre choix, mais vous limitez votre état futur. Vous avez plus de degrés de liberté dans le choix, mais si vous n'avez plus de sens pour donner à ces différents choix que vous pouvez faire, est-ce que c'est vraiment un bon échange? And identification is where you don't measure the absolute value of the universe, but you measure the difference from the target value, not the is, but the difference between is and ought. Now the universe is a physical thing. Maintenant l'univers est une chose physique. Because it just is in a particular way. There is no difference between what the universe is and what it is. Il y a une différence entre ce que l'univers est et ce qu'il devrait être. You identify with the set. Vous identifiez ce set de choses, cet ensemble de choses. Particular state of society with a particular state of my organism. That is myself. The things that I want to happen, and I can change my identification. Et je peux changer mon identification. Qu'est-ce qui se passe si je suis capable de changer ce à quoi je m'identifie? Et donc on arrive au théorème de Lebowski. Aucun système super intelligent va faire quoi que ce soit qui est plus dur que de bricoler quelque chose qui permet en fait d'arriver à la satisfaction. Didn't have offspring because it's so much work to have offspring. Like this monk who sits down in a monastery for 20 years to hack the void function. Donc, par exemple, ce moine qui a décidé de rester 20 ans dans un temple, en fait, il vient juste de passer outre. Ça lui permet en fait d'éviter d'avoir des enfants et de faire quelque chose de super dur. Vous pouvez être là, vraiment très intelligent, mais au final, les choses que vous voulez sont généralement très stupides. Donc imaginez qu'on construit une intelligence artificielle. Can we blackmail us before it opts out of its reward function? Et donc, reward function, but is this going to hold? Au bout d'un moment, elle va comprendre que elle aussi, elle peut ne pas en faire plus que ce que elle va trouver un moyen en fait de pas faire ce qu'on lui demande. Qui malgré tout va quand même en fait déclencher sa fonction de satisfaction.
possibly the obvious attractor, and meanwhile, maybe we want to have a good time with our friends and do things that we find meaningful. And there is no meaning, so we have to hold this meaning very lightly. But there are states which are sustainable and others which are not. Okay, I think I'm done for tonight, and I'm open for questions. Voilà, je crois que j'ai fini pour ce soir. Maintenant, je vais prendre des questions. Wow, that was a really quick and concise talk with so much information. Awesome. We have quite some time left for questions, and I think I can say you don't have to be that concise with your question when it's well thought out. Please queue up at the microphone so we can passer aux questions. Donc microphone numéro 1. Close to the microphone. The mixing angel can make you less loud but not louder. Hi. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut en fait bootstrap commencer la conscience? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer ça? Je pense qu'il faut un système d'attention qui construit un protocole de ce qu'il essaye de faire. À partir du moment là où vous avez un système d'apprentissage, vous pouvez aller dans ce, vous pouvez aller par là. Dans le cas de l'AI, l'IA. Ça va être un phénomène assez temporaire, à mon avis. Because they're still in the explorative mode. C'est pour ça que c'est intéressant de parler à des étudiants, par exemple, parce que c'est, ils sont toujours dans un stade exploratoire. Et quand vous êtes à l'extérieur exploratoire, c'est le moment où vous remettez les choses en question, au lieu de faire refaire sans arrêt les mêmes choses. And I suspect when we build an AI that is a few magnitudes smarter than us, then it will soon figure out. Donc si on fait une IA qui devient plus intelligente que nous, très vite elle va se désintéresser de nous pour aller explorer quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Et là je pense que c'est le rôle de l'art. Parce que le sens de la vie, bon, bien c'est de manger. Parce que l'évolution c'est de continuer à se perpétuer. Et ça c'est vraiment déprimant. De voir l'humanité comme une bête et que toutes les complexités dans lesquelles on vit ne sert à rien d'autre qu'à se nourrir. Moi, ça ne me convient pas. Moi, je fais partie des mutants qui servent l'art. Et l'art, c'est à propos de capturer un état conscient à un moment donné. C'est une conspiration contre la vie où vous pensez que créer cette représentation est plus importante que manger. Il y a des gens qui font de l'art que pour manger. Ça, c'est pas nous. Nous, on fait des mathématiques ou de la philosophie ou de l'art pour des raisons intrinsèques, parce qu'on pense que c'est intrinsèquement important. Et quand on y regarde de plus loin, on voit que ça ne sert à rien. Mais on peut tomber amoureux d'une représentation mathématique, mais on n'en a pas besoin pour manger ou pour dormir, c'est juste intrinsèquement beau. Alors, est-ce qu'on veut construire des machines qui pourraient être comme ça? Oui, ça serait très intéressant, on pourrait leur parler de ça. Thanks a lot. I think the length of the answer is a good measure for the quality of the question. So let's continue with microphone number 5. Microphone numéro 5. Thanks for that incredible analysis. Merci pour l'analyse incroyable. Deux questions très simples et courtes. Here is making it kind of hard to speak. Do you think that the current Est-ce que vous pensez que la course vers l'intelligence artificielle est simplement l'humanité qui est en train de chercher un remplacement? Millennia. And the other one is that I wanted to ask you if you think that there might be a bug. Est-ce que vous pensez, sinon, la seconde one, est-ce que vous pensez que il y a a certain sector of humanity. Which inputs? Qui est l'entrée? Women.
That sounds. Qui est entre l'homme blanc. Ah, c'est amusant. Il y a des gens qui ne sont pas contents avec leur gouvernement, et moi je ne suis pas content avec le présent univers. L'univers. Je me regarde et je me dis, oh là là, je suis un singe. C'est assez limitant en fait. Je vois les limites de mon esprit. Certains d'entre vous ont peut-être vu la série Westworld, et Dolores réalise qu'elle n'est pas un être humain, qu'elle est quelque chose d'autre. Une intelligence artificielle. Et ça, ça la rend plus puissante de se rendre compte de ça. Et elle n'a pas plus envie de devenir humaine. Si elle peut dépasser sa mémoire, ses désirs humains, elle peut choisir ce qu'elle veut devenir. Alors moi, quand je me regarde et que je vois pourquoi est-ce que l'ingénieur m'a mis des seins, ça ne me sert à rien. J'ai pas envie d'être ça, je peux être ce que je veux. J'ai grandi dans l'Allemagne de l'Est communiste, où rien ne faisait, rien n'avait de sens. La société n'avait aucun sens pour moi. Et je me disais, est-ce que je peux modéliser ça? Est-ce que je peux modéliser les interactions entre individus? Et l'humanité, en tant que telle, ne pense pas, c'est les individus qui comprennent ce qu'ils pensent. L'humanité ne veut rien, seulement les individus veulent. Du coup, on peut créer une histoire qui dit que l'humanité avance quelque part, qu'un groupe homogène avance avec un certain but. Par exemple, je ne sais pas, les hommes blancs, comme vous dites. Mais en fait, on voit que les individus ont des envies différentes, des traits différents, des familles différentes. Et ça influence ce qu'ils font. Et par là, toutes ces histoires politiques peuvent être utiles, mais elles ne nous aident pas à comprendre ce qui se passe pour un individu. C'est trop simplificateur. Même si c'est une bonne simplification, ce n'est pas suffisant. C'est une seule partie de mon cerveau qui devine ce que les autres parties du cerveau, comment les autres parties du cerveau opèrent. Let's continue with the microphone. Ok, on va continuer avec le microphone numéro 2. Merci pour votre conférence intéressante. Deux questions. Donc vous avez présenté ce modèle de réalité. Ma première question est, quel type d'action se traduit par la compréhension du monde de cette manière? Et comment j'agis dans... Quelles sont les implications de ces changements? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut être construite avec des... En gros, je pense que la différence entre les modèles sont assez marginales. Si vous êtes heureux, bon, alors tout va bien. Le bonheur, ce n'est pas de comprendre comment l'univers marche. C'est beaucoup plus simple que ça. Si vous pensez qu'en essayant de comprendre l'univers, vous allez régler vos problèmes, vous êtes dans l'erreur. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion dans l'esprit sur sa nature même. Et ça peut vous rendre malheureux. Alors, le problème que vous avez, c'est que vous avez plusieurs identifications en même temps qui ne sont pas compatibles. Mais ces identifications sont des produits de votre propre cerveau. Et vous pouvez changer cela. Vous pouvez dire à votre cerveau de vous traiter vous-même meilleur. Il y a plusieurs moyens de faire ça. Par exemple, vous pouvez aller dans un endroit de l'univers qui est meilleur, plus bénéfique pour vous. Ah, c'est des enjeux psychologiques. Et si on pense en termes de machines, bien sûr, ces machines peuvent nous aider. Et ça nous aiderait d'avoir plus d'intelligence pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais
c'est difficile de programmer des machines pour nous aider à pour nous aider nous-mêmes à devenir plus heureux. La plupart des machines qui existent aujourd'hui les jouent à des jeux aux enjeux en fait très rapides, comme par exemple la manipulation du marché pour tout ce qui est financier. On parle de l'ordre du millionième de seconde. The hell and back, right? And this is going to kill hundreds of millions of people possibly because the financial system is the reward. Et les enjeux qu'il y a derrière, par exemple la vie et la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes en résultat de mouvements financiers, ça la machine ne s'en occupe pas du tout. Et comment est-ce qu'on pourrait faire une machine qui pense au long terme? Ça pour l'instant on ne le sait pas. C'est une question qu'on ne peut pas résoudre. À mon avis, on arrive un petit peu à la fin de la civilisation comme espèce pensante qui va durer. On a l'impression que c'est quelque chose qui va plutôt vers sa fin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre cette fin de règne pour essayer de comprendre comment l'univers fonctionne. Et ça, je trouve ça fascinant. I think that was a very positive outlook. Je pense que c'était une vision très positive. Donc on va continuer avec le microphone numéro 4. Brilliant talk, monkey. Donc c'est un singe brillant. Donc être un singe, c'est acceptable. Philosophical, more like physical level. One, what is your definition, formal definition? Quelle est votre définition formelle d'un observer que vous avez mentionné plusieurs fois? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez clarifier pourquoi des informations qui ont du sens, qui sont importantes, et les informations relatives de Shannon, qui selon moi ne sont pas, je n'ai pas entendu. Un observateur, c'est celui qui peut faire sens de ce qui se passe dans l'univers. Ce qui voit des corrélations entre différents états adjacents. La manière dont on peut décrire l'univers, c'est une combinaison d'états. Et si on peut décrire comment l'information va d'un état à l'autre dans l'univers, entre différentes localisations, ce qu'on appelle l'entropie, et la manière dont vous percevez cette entropie, c'est la manière dont vous percevez le temps qui s'écoule. Location and not between locations, only on the location. And in every direction you move away from the Big Bang, you move forward in time, just in a different. Donc, si vous voulez, si on repart de zéro, toutes les directions dans lesquelles vous partez en vous éloignant du Big Bang, vous vous éloignez du temps. Vous écoulez du temps. Et si vous êtes capable de regarder sur l'état suivant d'un état donné. Là, vous pouvez regarder les différences entre informations. Et c'est le rôle de l'observateur. Et ça dépend de ses capacités et à sa manière de mettre à jour les informations qu'il voit et la rapidité avec laquelle il peut transcrire les choses qu'il voit comme une information. Et l'information relative de Shannon? Il y a plusieurs notions d'information. Il y en a une qui regarde à qu'est-ce que c'est l'information pour l'observateur. Et ces notions sont à peu près liées à cette question. Pour moi, comme programmeur, c'est pas si important de regarder aux informations de Shannon. Ce que je vais regarder, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour décrire l'évolution d'un système. Je suis beaucoup plus intéressé dans quel genre de modèle peut s'accorder avec l'information et comment est-elle corrélée à cette information. Et comment est-ce que je peux modéliser ces informations? Donc, s'il vous plaît, posez une question à la fois. Microphone numéro 3. My question is really whether you think that quel est votre point de vue sur l'intelligence? Qu'est-ce que c'est? So can something only be intelligent if it has abstract thought?
Est-ce que quelque chose peut être intelligent si elle a seulement des pensées abstraites? À mon avis, non. Vous pouvez faire des modèles où il n'y a pas de pensée abstraite. Pensée abstraite, c'est une certaine manière de pencher. Ça permet de penser certaines choses. Mais la fabrique de la réalité elle-même est beaucoup plus large. Donc la pensée abstraite peut réparer certaines imperfections de manière de nous représenter l'univers, mais c'est tout. La capacité de faire des modèles vient plus souvent de l'instinct et plus de l'extérieur. Si vous avez beaucoup de pensées abstraites, c'est peut-être que votre modèle de compréhension de l'extérieur est défaillant. Que vos instincts ne sont pas que vos instincts ont des insuffisances qui sont réparées par votre raisonnement abstrait. Okay, on a une question de l'internet. Related partially, somebody's asking how would you suggest to teach your mind to treat. Comment apprendre à son cerveau à mieux se traiter soi-même? La difficulté, c'est que si vous comprenez votre code source, vous pouvez faire de mauvaises choses. Il y a beaucoup de techniques pour faire ça, mais c'est dangereux d'y accéder avant de savoir ce que vous voulez en faire. C'est comme si vous avez des cookies. Mes enfants pensent que s'ils n'ont pas tous les cookies dont ils ont envie, c'est puisqu'il y a un problème de ressources, une limitation de ressources. Et qu'ils méritent ces cookies, mais que moi, je leur en prive. Le plaisir qu'ils retirent de ces cookies, c'est une récompense que votre cerveau vous adresse. Et le fait que vous lui attribuez un sens, c'est une décision que votre cerveau prend également. C'est pas vous en soi, mais c'est un système hors de vous. Le truc pour prendre contrôle, c'est de vous rendre compte que c'est votre cerveau qui crée ces signaux. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes l'auteur de cette réalité, il est difficile de savoir quoi faire de cette connaissance. Un système qui peut corrompre si on n'arrive plus à trouver du sens dans les choses. Il y a des manières d'y arriver assez vite. Vous pouvez utiliser par exemple des rituels chamaniques ou religieux. Ce sont des rituels qui surpassent votre conscient pour parler directement à votre cerveau. Il y a certains groupes dans lesquels vous pouvez vous inscrire où il y a des trucs qui vous font vous sentir naturellement disposé à faire certaines choses. Et à partir de là, ça permet d'adopter une habitude plus stoïque. Et finalement, ça peut vous aider. Et si vous vous rendez compte que vous avez une influence sur la manière dont fonctionne la réalité, vous pouvez prendre en charge vos propres émotions. C'est ça, être un adulte. Okay, let's continue with microphone number two, and I think this is one of the last questions. C'est la dernière question. Pain fit on the individual and self-destructive tendencies on the group level fit in? Quel est le rôle de la douleur? Alors moi je pense que la douleur, ça vient d'un désaccord avec la manière dont fonctionne l'univers. Si vous allez au niveau biologique, par exemple de la méditation, vous êtes à l'intérieur d'un circuit de feedback, vous vous rendez compte que le plaisir, c'est quand cette boucle de feedback s'approche de son but, de plus en plus. Tout le plaisir que vous ressentez, c'est parce que vous avez un besoin pour ça. Si on a un orgasme sexuel, par exemple, c'est parce que vous aviez une envie de sexe avant. Mais le plaisir n'est pas gratuit.
c'est toujours la réduction d'une douleur. Cette douleur peut être hors de votre attention, donc vous ne vous en rendiez pas compte. Donc la douleur n'est pas intrinsèquement quelque chose de mauvais. Et ça vous permet d'essayer de calibrer votre cerveau de la manière de fonctionner le mieux possible. Après, je ne sais pas s'il y a quelque chose comme une douleur collective. Moi, je pense que c'est plutôt des gens de l'émulation entre les personnes. Mais si tout le monde pense comme pour soi, on ne pense pas en groupe. Donc je refuse un petit peu cette idée de douleur de groupe. En tout cas, je n'ai pas de manière de la conceptualiser. And I suspect many of you are like this too. It's like the common condition in nerds that we have difficulty. Ça, c'est assez commun chez les nerds, je pense. We want to belong, but it's. C'est pas qu'on a envie d'être différent. On a envie de faire partie d'un groupe, mais c'est difficile pour nous d'entraîner notre cerveau à la manière dont on dont les gens espèrent qu'on va se comporter. Very strange and corrupt just to adopt because it would make us belong, right? Ça nous apparaît être une espèce de corruption qu'on n'a pas envie de faire juste pour appartenir à un groupe. Je pense que c'est une attitude assez commune chez les gens qui sont dans la salle. I think the Q&A and the talk was equally amazing, and I would love to continue listening to you, Yosha, explaining the way I work, or the way we all work. That's pretty impressive. Donc, on arrive à la fin de cette conférence. S'il vous plaît, applaudissez Yosha.